L'image est exceptionnelle. 19 tracteurs et 4 ensileuses parées de lumière défilent dans un tintamarre de klaxons. Dans ce petit bourg, d'habitude bien calme, la foule se presse pour les admirer. C'est très très émouvant de voir la reconnaissance des gens, en fait, qu'il y a quand même de l'estime pour les agriculteurs. Ça nous fait les larmes aux yeux. Le cortège traverse 4 communes sur une quinzaine de kilomètres, avec à chaque fois beaucoup de monde sur le bord des routes. Ils égayent un petit peu notre vie, nos fêtes, et sachant que c'est eux qui nous donnent à manger tous les jours, c'est vrai que c'est un plaisir de les voir aussi. On y vient tous les ans parce que c'est vraiment génial, c'est super coloré. Bon, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est assez agréable d'être là le soir. Les agriculteurs rivalisent d'inventivité entre les costumes, les décorations des remorques et même les manèges. C'est très joli et on voit bien qu'il y a eu du travail derrière tout ça, beaucoup de travail et beaucoup d'ingéniosité. D'habitude, le plateau il tourne qu'en été à ramasser de la paille et du foin. Et là, bah, au final, il sert à transporter un Père Noël et la mascotte. C'est la 4e édition de ce défilé de Noël, né pendant le Covid en 2020. L'organisation est rodée, même s'il y a parfois encore quelques couacs. Et il manque quelqu'un derrière, ça commence bien. Moi, j'ai personne derrière moi, donc il doit y avoir quelque chose. Sur le nombre qu'on a, il y a toujours un couac le jour. Là, cette année, l'un d'entre nous, en venant, il est tombé en panne avec son tracteur également. Moi, c'est bon, là, il est reparti en route. Au bout de 2 heures de parade, les tracteurs arrivent à Cavan, l'ultime étape de leur parcours. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement, quoi. C'est le plus beau moment de la parade. C'est un mois de travail pour 2 heures de boulot et puis bah, au final, on a un goût trop peu quand même à la fin, quoi. Mais bon, on remettra ça l'année prochaine, quoi. Beaucoup de travail en amont. Nous les avions rencontrés à une semaine du jour J dans les starting blocks. Oh, ça bougera pas, là. On rafistole les guirlandes parce qu'on a mis une belle guirlande il y a quelques années dessus et il y a des morceaux qui s'effacent avec le temps, du coup. On fait du rapiéçage, on fait avec les moyens du bord, en fait. Faut que ça brille, il faut que les enfants aient le sourire, et les adultes, et qu'ils nous applaudissent en passant. L'objectif pour ces jeunes agriculteurs est simple. Montrer aux gens que l'agriculture, aujourd'hui, c'est pas que de salir les routes ou de manifester. On est capable aussi de faire plaisir aux gens en faisant des actions comme celle-ci. Juste à côté, toujours à Bégard, une autre famille prépare Noël depuis des mois. Allez, hop, on allume! Dans la commune, la maison de Christian ne passe pas inaperçue. À la nuit tombée, des dizaines de personnes se pressent devant son portail pour visiter son jardin illuminé. Vous rentrez dans le paradis des enfants comme pour moi-même. Une visite gratuite, animée depuis 11 ans par le maître des lieux, les yeux pétillants de bonheur. Bonne visite! Un pour Christian, un pour Christiane. Regarde, Christiane. Oh là là, c'est super! Moi, mes parents étant gardiens de propriété, j'ai pas eu la joie de pouvoir aller dans les spectacles de Noël, la magie de Noël. Et j'ai eu un besoin de pouvoir revenir là-dessus à la retraite. C'est une récompense que je me fais. En 3 semaines, déjà plus de 2500 personnes ont visité les lieux. Pour les habitants du village, faire un tour chez Christian est devenu un incontournable de Noël. Super joli, super mignon, super accueillant. On a entendu parler, on pouvait venir visiter. Pour les enfants, on trouvait ça super, donc on les a emmenés. Même un invité surprise ne manquerait la visite pour rien au monde. Viens faire un câlin. Oh mon bonhomme! Quand je suis un peu débordé, que j'ai besoin de changer d'air, je viens ici à Bégard pour me changer les idées, me ressourcer un peu avant la semaine prochaine. Mais ces 2,5 km de guirlandes lumineuses consomment beaucoup d'électricité. Alors, Christian et Christiane, sa femme, ont une astuce pour compenser la facture. Là, la confiture de Noël, vous avez pris, vous verrez, elle est très bonne. Les confitures nous aident un petit peu dans l'EDF à payer les factures, parce que toutes les lumières, ça attire quand même. Et les confitures, elles sont bonnes, donc tout le monde revient, nous en demande, la preuve. Une gourmandise pour nous remettre de ce week-end tout en émotions.